Bon matin à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette dernière semaine de ce mois de novembre. Nous sommes lundi 27 novembre 2023. Comment allez-vous? Bien j'espère, et j'espère aussi que vous avez passé un joli week-end. Vous vous rendez compte, nous sommes déjà à la fin novembre et le mois prochain, ça sera le mois et bien de la magie. Avant de commencer, j'ai le choix de nourrir le positif en moi ou de nourrir le négatif. Le plus fort est celui que je nourrirai le plus. On continue, on va achever le mois avec le tarot Vision Quest et le petit oracle de l'évolution. Aujourd'hui, j'ai pigé le 8 de l'eau, stagnation. Oh, on commence mal la semaine. C'est tout ce qui est attrait à l'émotionnel. Parce que l'eau, ce sont les émotions. Et l'essence de cette carte, eh bien, ça peut être le blocage d'énergie. Ça peut aussi dire l'absence d'envie et qu'il y a une tristesse profonde. Il y a peut-être de la séparation dans l'air, de la dépression, de la peine. Le message intérieur de cette carte, eh bien pour certains d'entre vous, rien ne va plus. Rien ne va plus. En tous les cas, c'est ainsi, n'est-ce pas, que la situation est ressentie en ce moment. Car votre force intérieure est figé et rien ne peut circuler librement puisque vous vous cramponnez trop intérieurement. Et c'est ainsi que apparaît une profonde tristesse, un sentiment de lourdeur et de déplaisir intérieur. Vous invite à abandonner toutes vos vieilles croyances et toutes vos vieilles idées tracassantes quant à ce que vous devriez être, ce que vous devriez ressentir et vivre. Laissez partir ces croyances qui ne sont plus conforme avec vous. Pourquoi ressasser à l'intérieur de vous? La manifestation extérieure de cette carte, nager contre le courant de la vie intérieure, eh bien, cela va renforcer apparemment l'ego pour un moment, n'est-ce pas? Mais en vérité, nous ne faisons que nous violer. Nous ne faisons que violence à cause de cet ego. Si vous ne prêtez pas attention à la pression intérieure de vos sentiments, eh bien, la pression extérieure se renforcera. Elle se renforcera alors dans votre vie. On vous invite à essayer de vous calmer vraiment, présentement, et permettez au nœud de l'énergie en vous de se ramollir. Vous avez un nœud à l'estomac. Bougez votre corps et permettez
à vos vrais sentiments et bien de s'exprimer. Votre force, n'est-ce pas? Eh bien, commencera alors à circuler librement et ne laissez pas votre ego prendre le dessus sur vous. Waouh! Je ne vais pas dire que c'est un beau message, mais bon, voilà, c'est un message où il faut essayer de réfléchir à ce que vous vivez et laisser évidemment toutes ces croyances et arrêter de ruminer et de... Voilà, parce que le 8 de dos, c'est encore une fois tout ce qui est émotionnel, ça peut être dans votre vie privée, dans votre vie de couple, dans votre vie familiale, ça peut être aussi dans votre vie professionnelle, n'est-ce pas? Alors, bien, les émotions sont... Ça déborde, donc... Voilà, il faut revenir à vous et peut-être faire un travail sur vous. Ne plus être dans l'émotion, être dans la compassion, ne plus prendre sur vous toutes ces émotions qui ne vous appartiennent pas. Et bien voilà pour le message du tarot Vision Quest. Et l'oracle de l'évolution vous dit: pour aller dans la profondeur de ton être, tu as besoin de calme, d'espace et de silence. Reviens dans le centre de ton âme. Le calme apparaîtra et dissipera tous tes doutes. Eh bien, je trouve que c'est une très belle synchronicité avec cette carte. Vous avez peut-être besoin de calme, d'espace et de silence pour laisser partir toutes ces émotions qui sont en vous. Allez, je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve demain pour un nouveau message. Et d'ici là, portez-vous bien. Je vous embrasse. À demain.